Maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas m'appeler maman. Quand tu vas marier la fille, là, c'est chez moi, tu vas venir donner dot. Donc, j'ai tout fait, coach, pour... J'ai dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, attention! Oui, plusieurs années, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et entre-temps, je sentais que l'homme, on dirait, il voulait reprendre avec son ex. Oui. Donc, je lui ai posé des questions, mais comment, tout ça, calmement. Il me dit, non, bébé, il n'y a rien, calme-toi et tout. J'ai attendu 2-3 mois. Après, je sentais que... Il y avait des comportements bizarres, genre quand on est à la maison, il prend le téléphone, il retourne dans l'autre sens, il met en silencieux, tu vois, des petites cacheteries. Donc une fois, on était au salon, on regardait la télé, après il me dit, oh non, j'ai mal au ventre. Mon ventre me dérange, il est allé faire tour aux toilettes. Et puis c'est comme si j'entendais parler quelqu'un, il chuchotait. Et quand je me lève pour aller vers les toilettes, j'ai dit, ah mais là tu parles avec qui? Il me dit, non, c'est vidéo sur mon téléphone. J'ai dit, non, ça, c'est pas vidéo. Tu parlais avec quelqu'un, il me dit, non, non, c'est bon. Donc moi-même, j'ai décidé de mener mes enquêtes. Et quand je décide de mener mes enquêtes, j'ai la preuve que le gars, il continue avec sa go. Et il disait à sa go que non, t'inquiète pas, je suis reparti chez elle, donc chez moi, quoi. Parce qu'on avait un projet, en fait, qu'on devait faire ensemble. Donc, il avait fait comprendre à la go qu'il était revenu juste pour le projet. Une fois qu'il allait avoir l'argent et tout, qu'il allait me jeter, quoi. Que la, genre, la go, elle n'a qu'à patienter. Maintenant, moi, pour le faire mal, ce que j'ai fait, comme la, le papa de la fille aussi, c'est quelqu'un que, enfin, je connaissais pas comme ça, mais on se connaissait assez. Et c'est quelqu'un aussi qui a les moyens. Donc, pour faire mal à mon gars, je suis allée sortir le papa de sa go. Ha! De son ex! Ha! Oui, oui, de son ex. Et je dis à mon gars, dorénavant, il faut m'appeler maman. Parce que quand moi, je te parlais, oui, oui, je suis allée prendre son beau-père. Il me dit, comment tu as pu me faire ça, tout ça et tout. J'ai dit, en tout cas, moi, je t'ai parlé une fois, deux fois, là. Et voici les preuves. Je lui ai montré maintenant les photos, les quoi, comme quoi je le faisais un peu, enfin, suivre par des gens, quoi. Et j'ai vu les messages, j'ai dit, regarde, tu m'as dit que toi et puis elle, c'était fini, mais à elle, tu dis que tu reviens vers moi pour le projet. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas m'appeler maman. Quand tu vas marier la fille, là, c'est chez moi, tu vas venir donner dot. Donc j'ai tout fait, coach, pour renverser la tête du beau-père. Et maintenant, là où ça chauffe sur moi, coach, je remercie que tu m'aies fait monter parce que depuis plusieurs jours, ça chauffe sur moi. L'homme de tout, là, l'enfant des gens a fait malaise. Alors là, coach, il est à l'hôpital. Donc, sa famille n'arrête pas de m'appeler pour me dire que s'il arrive quelque chose à leur enfant, que c'est moi qui ai emmené leur enfant à l'hôpital, que c'est moi. Donc, je ne sais pas, coach. Même hier, j'étais à un de vos lives, j'ai attendu jusqu'à j'étais devant l'hôpital pour savoir pendant les heures de visite, est-ce qu'il faut que j'aille le voir? Est-ce que si enfant des gens font encore malaise, même la fille aussi du gars, son ex là, elle a fait les problèmes à mon gars pour lui dire que, de me dire que j'ai qu'à laisser son papa, que son papa dort plus à la maison, son papa est devenu fou. Mais moi, sincèrement, le gars, quand j'ai commencé à lui coacher, le papa de la fille, c'était pas pour faire du sérieux. Je voulais juste énerver mon gars pour, tu vois, attirer son attention, pour lui montrer que quand tu veux jouer une femme là aussi va te montrer que c'est elle qui porte la grossesse. Ah. Mais le papa de la fille... Attends ma chérie, attends ma chérie, attends ma chérie.